Coucou les synagogues, les synagogues, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite manière de table pour pouvoir mettre des chocolats dedans. Voilà. Oula, bah dit, elle se présente comme ceci. Et dedans, on a des petits compartiments pour venir mettre des chocolats. Voilà. Donc soit on peut le mettre en centre de table, sur la table de salon. On met des petits chocolats dedans. J'ai mis, moi, de chaque côté, des petits sentiments. Le rire, c'est une poussière de joie qui fait éternuer le cœur. L'autre côté, j'ai marqué garder en mémoire nos plus beaux moments. Voilà. Et puis après, j'ai mis des petits. Ça, c'est ce qu'il y a sur les petits blocs 15-15, vous savez, des cartes postales. Voilà. Et un petit nœud sur le devant. Vous allez voir, elle n'est pas compliquée. Pas compliquée du tout. Il faut juste que je me rappelle parce que le tuto, il est prêt depuis. Perpétazo il les ouailles, hein. Voilà. Donc du coup, on y va, on y va, on y va. Alors, je vais vous reculer un peu. Hop. Donc du coup, voilà ce petit centre de table. On peut t'en servir comme vide-poche ou pour mettre des petits chocolats. Je trouve ça, tout mignon, tout plein. Voilà. Donc du coup on va le faire. J'espère que je vais m'en souvenir parce que ça fait un moment que je l'ai fait. Hein. Donc c'était prêt mais j'avais plein de choses à faire. Donc il va vous falloir une feuille de cardstock de 30,5 par 30,5. Donc du coup vous ne la coupez pas, d'accord? Alors pourquoi je prends ça? On n'en a pas besoin. N'importe quoi. Si est-ce que je trace mes traits comme ça? Oui, je vais tracer mes premiers traits comme ça. Alors on va faire. Non. Je vais pas faire ça parce que ça va pas le faire. On va le faire à la main. Alors, en premier, on va faire parallèle. On se met bien sur les lignes. Voilà. Et on plie, tout simplement. On regarde si on n'est pas. Comme moi, j'ai l'habitude de voir les œils qui sont en face des trouilles. Voilà. Donc, on a plié dans ce sens-là. Maintenant, on va plier dans ce sens-là. Vous allez voir, c'est comme les shadows qu'on faisait quand on était enfant. Vous savez, qu'on faisait ch'tac, là. Puis il y avait des gages dedans. Tu dois embrasser machin, tu dois. C'est qui ça? Faut se mettre bien, parce que si on n'y peut bien, ça va pas le faire. Voilà, donc on a fait ça. Ensuite, on fait pointe à pointe. Voilà. Dans l'autre sens, on fait pointe à pointe. Voilà. Du coup, on a ça. Maintenant, que je me rappelle bien, on va aller se mettre comme ceci. Hop, on se met au milieu, on tourne, on fait la même chose. Alors on fait bien attention à nos pointes qui sont là, de ne pas les arracher. On fait la même chose ici. Fais attention de ne pas arracher les pointes. Alors, je passe devant vous, je suis désolée, mais je ne vais pas arracher ma pointe. Voilà. On place d'abord la petite pointe. Et après, oui, j'ai toujours la mouche. Mon mari serait là, il y aurait longtemps. Là, si je tape, elle est sur la caméra. Et du coup, vous allez trembloter. Ou alors, la caméra va se casser la margoulette. C'est l'un ou l'autre. Si elle m'énerve trop, je vais arrêter la caméra et je vais m'occuper de son cas. On retourne et on refait la même chose. Hop.
bien au milieu. Tac. Et le dernier, qui est le plus chiant, parce qu'il faut qu'il se mette bien comme il faut. Voilà, et on retourne. Et en fait, on va venir. Alors ça, ça se met en haut. Comme ça. Et il va falloir qu'on ouvre en fait les petits côtés. Ici. J'avais fait un trait dessus. Ouais. Faut bien bien les ouvrir, les arrondir. Donc on va les travailler. Moi, je vais les travailler hors caméra. Ça va vous rappeler les shadows qu'on faisait avant. Hop. Il faut qu'ils s'ouvrent correctement. Vous les arrondissez avec vos doigts. Voilà, mais ça va se faire au fur et à mesure. Voilà. Qui se met bien comme ça. Mais voilà. En travaillant le papier, vous allez voir, ça va. Voilà. Donc moi, je l'ai bien arrondi. Vous n'hésitez pas à tirer comme ça dessus. Hein, ne pas déchirer le milieu, bien évidemment. Mais voilà. Donc ensuite, il va vous falloir, alors d'une sorte, moi j'ai pris couleur rose et le dessus j'ai pris dans les petits blocs, il va vous falloir 4 carrés unis en fait comme ça, de 7,5 par 7,5, d'accord? Et il va vous falloir 4 carrés de 7 par 7 que l'on va venir coller sur les carrés unis qui sont là. Double face, comme vous voulez, un col, on s'en fiche. Mais il faut que ce soit bien collé. Voilà. Hop. Après, alors là, j'ai mis quoi? Des petits sentiments. Donc là, j'ai pris un petit sentiment esprit de Noël. On va venir le coller dessus. Alors, comme ils vont être comme ça, collez-les comme ça. Si vous avez des carrés, eh bien, essayez. Parce que moi, les autres, en fait, j'avais pris des carrés sur les blocs. Et vous voyez, je ne pouvais pas les mettre comme je mets cela là, en fait. Vous voyez ? Donc j'ai essayé de prendre sur des blocs où c'était des ronds. Vous voyez là le petit lapin, j'ai pu le recouper de façon à ce qu'il soit dans la diagonale. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite après, il vous faudra 4 carrés de papier déco. Moi j'ai pris cela de 7 par 7. D'accord ? Donc, 4 papiers déco de 7 par 7. Alors, en premier, on va venir coller ces petits papiers déco ici, comme ça. D'accord? Alors, moi, je vais faire moitié. Alors, j'avais coupé, j'ai mis du double face sur tout. J'avais oublié de le mettre. Du double face sur tous mes petits carrés pour que ça aille plus vite, en fait. Ça sent le chaud là. J'ai la... qui vient de se mettre en route. Alors attention si vous avez un sens de ne pas leur mettre la tête en l'air. Hein. Hop. Alors, on se place comme ça. Moi j'ai mis du double face, mais vous pouvez très bien. Moi c'est de l'extra, c'est du fort. Hein.
de chez Craftelier, mais vous pouvez très bien mettre de la colle. Donc ça, vous le collez sur les quatre côtés. Je vais même rajouter de la colle parce que j'ai peur qu'en pliant, ça se... Oh, ben, il va m'énerver, lui. Hop. Alors, là, c'est le haut, haut, haut. Pour voir le milieu, vous mettez votre pointe sur le pli que vous avez fait ici. Hop. Et ça vous indique le milieu. Je me dépêche, j'ai mon mari qui repart à 5h30. Le jour où tout ça ne sera plus, ça sera que du bonheur. Demain, je crois qu'il reste... Alors là, j'ai mis haut, haut, je le mets là. Je crois qu'il reste là demain soir. Je ne suis pas sûre. Vous vous mettez bien, vous voyez, sur la... Hop, comme moi, là, ce que je viens de faire. La pointe sur la pliure. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à appliquer. On se met en droit, bien évidemment, n'est-ce pas? Hop, le dernier... Et les autres, on va les placer entre. Alors là, il va y avoir un petit temps de séchage pour les autres qu'on va mettre sur le côté. Il va falloir prendre des... Je ne me rappelle plus si j'avais pris des pinces ou pas. Oui, je parle, je sais. Il y en a qui m'ont dit que je parlais trop. Ça ne vous va pas, vous zappez, vous changez de chaîne. C'est comme à la télévision, c'est pareil. Je parle si je veux. Ma chaîne, c'est pas Histoire sans parole. Hop. On se met là. Allez voir où il y a de la musique et qu'il n'y a personne qui parle. Ah, mais en ce moment, les ronchons, je pense que vous avez, mais... Waouh. Restez chez vous enfermés, hein. Ça serait pas mal, hein. Venez pas faire chier les gens, hein. Oh, purée. Bon, moi, je m'en barre, hein, donc vous pouvez vous acharner tant que vous voulez, je m'en fous. Ayon, au secours. Au secours. Donc, du coup, cela, on va prendre notre plioir, on va un tout petit peu les arrondir. Ça sera déjà plus simple. Vous voyez, si là, je parlais pas, pourquoi je fais ça? Pourquoi elle fait ça, elle? Je comprends pas. Ah oui. Et en fait, on va tout simplement se les coller ici, entre, d'accord? Comme ça. Donc, on va mettre uniquement de la colle sur les petites pointes à droite et à gauche. Alors, moi, ce que je vais essayer de faire, j'ai bien dit, je vais essayer, je vais mettre un tout petit morceau ici, de double face, hop, un à droite et un à gauche, et je vais rajouter de la colle, je vais voir ce que ça fait, parce que l'autre j'ai mis que de la colle et il fallait un petit moment avant de... Ils sont où mes belles pinces que je viens de recevoir du partenariat? Faut bien que je m'en serve. Hop. Et hop. Et on va mettre de la colle sur les de chaque côté. Et je sais pas si je vais pouvoir mettre des pinces. J'en sais rien. Hop. Alors, on essaye de se mettre bien centré. D'être à la même hauteur que les deux autres pointes. Voilà, je pense que je vais... Ouais, voilà, je m'en doutais.
Je ne vais pas pouvoir mettre mes pinces. Elles sont trop. Et je peux pas. Non, mais je peux pas. Donc il faut que je reste comme ça pendant des heures. Et des heures. Non. Surtout, vous les placez bien. Parce qu'il va falloir qu'on colle les autres. Ah, j'aurais dû prendre des grandes, grandes pinces à linge. Je n'y ai pas pensé. Salut, Tankish. Alors, il y a un côté qui a collé et l'autre, il ne colle pas. Allez, on laisse coller. On prend un autre. Alors, attention si vous avez différentes décos. Comme moi, j'ai fait une déco sur deux. Voilà. Attention de ne pas casser les fibres de votre papier. Et tout simplement, on va se mettre ici. Ouais, non, il ne colle pas, lui, il m'a gassé la tête. Il va m'agacer. Il m'a agacé, il m'a agacé. Voilà. Ici, on va se mettre pointe à pointe, comme ça. Je pense que je vais refaire pareil parce que c'était pas trop mal. Je vais mettre comme ça. Hop. Ouais, double face et colle, c'est pas trop mal. Hop. Manger du chocolat. Hein. Ça déstresse le chocolat. Mais non, mais mangez pas de chocolat, parce qu'après vous allez encore pigner parce que vous allez grossir. Je parle pour les rageux. Donc je me mets bien ici, pointe à pointe, d'accord? Si tu le dis, tu le fais, hein, ce serait pas mal. Et hop, on reste collé pointe à pointe. Tac. Et là, on élargit un petit peu. Et on essaye de se mettre au milieu. Voilà, comme ça. Là, c'est bien, mais il va falloir que je vous chante une chanson. Ou pas? Oui, je vais vous chanter une chanson. Quand te reverrai-je, pays merveilleux? Non, je ne chante pas ça. Tu, chapeau pointu. Ça, c'est le plus chiant. Que ça colle. J'entends qu'il y a quelqu'un qui tape, c'est mon mari qui est en train de faire je sais pas quoi. Si collé ou si pas collé? Allez, c'est collé. On fait l'autre. On va mettre le pistolet à colle chaude en marche. Hop. Sur la vidéo que j'ai vue, en fait, il tournait pas ça. Et du coup, je me suis aperçue sur l'autre, j'ai galéré. Et du coup, je me suis dit, mais attends, ça serait beaucoup plus simple si on tournait le truc, quoi. Mais le double face, mettez-le, je trouve que c'est pas mal. Ça va plus vite. Allez, après j'ai encore une autre vidéo à vous tourner et après je suis à jour. Mais j'ai pas fait des trucs très simples de chez simple. Hein. L'autre il a l'air compliqué, l'autre tuto, mais il n'est pas compliqué et il est très joli et voilà quoi. Bon, j'ai de la colle plein les mains. On s'en fout. Allez, hop. What time is it, please? 25. Colasse. De colasse.
Après, il n'y en a plus qu'un. Alors, on se met bien là, ici, à la pointe. Ah, ben on a dit à la pointe, on n'a pas dit qu'il fallait que tu bouges. Hop, en haut, et on se met là. Et on n'en aura plus qu'un à mettre après. Ouais, c'est le plus casse-pied, ça. Il faudrait que j'ai quelqu'un qui me les tienne pendant que je fais l'autre. Allez, hop. Ben non, pas hop. Lui, il s'est décollé. Il est agacé. Ça, c'est un petit peu... Alors, faites-le peut-être à la colle chaude. Mais à la colle chaude, ça va faire de la... Vous savez, ça fait de l'épaisseur. Allez, colle, s'il te plaît. Chez Merdouille, je peux pas travailler avec l'autre main. Il est dans quel sens celui-là? Comme ça. Coller ça. Coller, coller. Hop. Normalement, quand je bosse, je travaille avec de la musique. J'écoute Zaz, j'adore. Hop. Alors si tout est bien mis, le dernier normalement il se met bien pointe en pointe. Hein. Si tout est mis comme il faut. La mouche est sur ma tête, elle m'énerve. Je vais lui donner un coup, elle ne va pas. Voilà, la voilà. Alors, celui-ci, ici. Hop, on ouvre bien pour pouvoir mettre l'autre sur l'autre pointe. Voilà, comme ça. Allez, c'est le dernier. Ça va faire vite, ça va tenir. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. On va mettre le pistolet à colle chaude en route. Allez, tiens bien. Mets-toi de là et de là. Bon, je rechante une chanson ou pas? Non? J'ai mis de la colle partout. Tac. Après, vous pouvez rajouter des petites perles. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc, on met le petit chocolat au milieu. Lui, il n'a pas collé. Évidemment, il s'est décollé. Je ne sais pas lequel que c'est. Voilà. Donc on va chercher où est-ce qu'on va aller mettre notre petit nœud. Je le mets là et puis j'ai une petite boule à mettre en dessous que je vais mettre comme ça. Allez, hop, let's go. J'espère que ça va aller parce que comme il y a des perles, ça va peut-être être un peu showtime pour le coller. Ça y est, la mouche elle est sur ma main, vous la voyez là ? Attendez que je la tue. Non, je ne l'ai pas tuée. Elle m'énerve. Hein. Ah, bah ça pisse. Je vais mettre un peu de colle ici. Hop, ce côté-là, il est collé. Voilà. Et j'ai plus qu'à mettre ma petite boule ici. Du coup, mon petit nœud. Je vais mettre de la colle pour l'emmener
l'autre côté pour qu'on puisse voir ma petite boule. Celui-là, je vais faire pareil. Alors, vous voyez, c'est pas bien long. Le plus long, c'est de tenir pour que ça colle, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et la boule, je vais la mettre ici. J'espère que ça va coller. Voilà. Eh bien, oui, ça colle, madame. Madame, monsieur, c'est en train de dégoulinir partout, ça. Hop. Et voilà. Hop. Terminus. Vous avez vu? Pour mettre des petits chocolats, moi, je trouve ça super mignon. Ou même pour faire un petit vide-poche, je trouve ça super sympa. Voilà. Eh bien, je vous fais des bisous. Je vous mettrai tout en arrêt sur image avec toutes les dimensions, d'accord? Voilà. Et ça, je vous le mettrai en arrêt sur image. Voili, voilou. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les slidingos, les slidingotes. Scrapez bien. Les rageux, défoulez-vous, allez-y. Hein, y a pas de problème. Tant que vous voulez, ça vous fait du bien. Hein. Après tout, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, hein, n'est-ce pas? Voilà. Allez, je vous fais des bisous, scrapez bien. Ciao, ciao.